Et bonjour à tous, quatrième émission des Fascinéphiles. On se retrouve toujours en compagnie, bien sûr, donc de Vivien, Atan et Agoué. Bonjour. Bonjour. D'accord, très bien. Et donc moi-même, dois-je m'annoncer ou tu veux le faire peut-être, Vivien? Non, ce sera peut-être plus, paraître un peu plus humble de ma part. Eh bien, nous nous retrouvons maintenant en compagnie de notre cher Geoffrey Fouillé. D'accord, très bien. Merci, merci. cette émission va être consacrée à un petit panorama, un petit retour de tous les films qui nous ont marqués hein, cette année 2017. Et il y en a beaucoup, beaucoup, hein, d'autres qui nous ont moins plu, mais on se gardera bien de les évoquer. Ou alors, vraiment, si l'envie nous en dit. Ce sera plus amusant. Oui, on pourra. Là, en l'état, avant d'arriver vraiment à nos coups de cœur, et on essaiera de faire un traditionnel top, mais en tout cas, enfin, au moins 10 films qui nous ont marqués, voire éventuellement un peu plus. Traditionnel, tu es sûr? Traditionnel, oui, moi pour toi, je sais, c'est. Et surtout, vu qu'on ne peut pas rentrer tous ces films, enfin tous les films qui nous ont plu dans un top, on va quand même en citer quelques-uns en mention honorable avant, qui soit méritent tout autant, ou même si c'est un peu moins, ben, en tout cas méritent d'être évoqués, discutés. Voilà. Donc. Et des mentions honorables que je me permets d'appeler les mentions beiges. Les mentions beiges, d'accord, très Non, bien. oui, parce que mon top, moi, c'est un top blanc. C'est vrai, oui, tu veux pas trop préciser, voilà, ça, on va être dans le flou. Bon. Mais bon, quand même. Non, mais on a quand même, voilà, on va essayer quand Je même réserve une petite surprise quant à l'appellation de chacun des échelons de mon top. Ah oui, d'accord, bon, très bien. Mais Nous pour le moment, attendons c'est un ça. top blanc, Un voilà. top blanc, d'accord. Comme le lapin. Comme le lapin, tout à fait. Encore une référence, hein, c'est pas possible. Merci. Voilà. Alors moi, si je devais en citer déjà quelques-uns qui pourraient un peu se rapprocher, qui étaient d'ailleurs, enfin, quand j'ai voulu faire mon top 10, se sont retrouvés aux portes, hein, vraiment, aux portes du podium, malheureusement, mais qui auraient pu avoir leur place. Ils ont Alors, glissé à ils ont l'entrée. glissé, c'est ça. Ils sont mal réceptionnés, du coup, bon. Et là, alors, moi, ce qui me vient en tête, c'est Moonlight et 120 battements par minute. Alors, je sais que tu les as pas vus. Je n'ai pas eu cet honneur. Voilà. Moonlight, c'est quand même celui qui a reçu l'Oscar du meilleur film, hein, aux derniers Oscars. Donc, Ah, ce n'est pas La La hein. Land. Voilà, dernière minute, il y a eu un petit couac, hein, sur scène, hein, on a vu ce que ça a donné. Et bon, c'était lui qui a été rappelé en dernier recours. Et bon, moi je comprends tout à fait. C'est vraiment un film atypique. Enfin, c'est d'autant plus surprenant que c'est un film qui n'est pas du tout taillé pour les Oscars. C'est anti-académique. Il y a un vrai parti pris esthétique déjà. Parce que c'est, voilà, on suit un jeune homme à trois âges, à trois périodes de sa vie. Un jeune homme qui est un peu conditionné par son mode de vie, un peu misé. Enfin, il vit dans la misère, on va dire ce qui est, dans une sorte de ghetto à Miami. Et donc on le suit, voilà, tout au long de sa vie, et voilà, aussi il se découvre une sexualité, voilà, une attirance pour les hommes. Enfin, tout ça fait que, même si c'est un thème parmi d'autres, parce que le film ne s'axe pas forcément là-dessus, en même temps ça a son importance, c'est un film qui parle vraiment du déterminisme, comment on arrive à se sortir finalement Carcan. d'un carcan. Voilà, est-ce qu'on est maître un peu de notre destin malgré tout? Et alors, dans le même genre, oui et non, il y a 120 battements par minute, qui a lui reçu le grand prix au dernier festival de Cannes, quand même, donc deuxième place, hein, on va dire, après la Palme. Et là aussi, tout à fait mérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une grande année, il me semble, au niveau du cinéma français. Moi, je sais que. Pour parler, voilà, l'année d'avant, on avait été servi en 2016, France. France, il y avait quoi, Nocturama aussi, Oh, Nocturama. voilà, enfin, il y avait eu quelques films, L'Odyssée, le commandant L'Odyssée, c'est Cousteau. vrai que c'était un beau film aussi, ça. Très beau. Bah, d'ailleurs, Et avec le même acteur oui, qui est déjà France et qu'on a revu aussi cette année, La Promesse de l'Aube, voilà. Pierre Niney. Pierre Niney, oui, tout à fait. Enchanté. Voilà. Et donc là, oui, 120 battements par minute. Bon, ça revient sur les années un peu 90 où il y avait cet acte militant, on va dire, de jeunes atteints du sida qui essayaient
à bout de bras, bah, de faire valoir leurs droits, d'essayer de s'en sortir, surtout, hein, voilà, de cette maladie. Donc c'est un film où on pourrait croire un peu social, et en fin de compte, ça devient une grande épopée collective, parce que c'est ça aussi la force du film, je trouve que c'est le collectif avant l'individu. Et en même temps, c'est que des individus, bien sûr, qui composent le collectif, donc c'est là toute la dynamique du film. Il y a de vraies scènes de groupe, chose que j'ai pas vraiment vu cette année... Enfin, mis en avant comme ça, je... À part dans Nocturama, c'est vrai. Voilà, c'est dans un autre film français, en tout cas, et même... Ouais, donc... Et c'est de qui? Parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup parlé des réalisateurs. Alors, oui, alors si on revient à Moonlight, c'est le... D'ailleurs, c'est le premier film pour le réalisateur de Moonlight, donc c'est d'autant quand même, hein, premier film, il a l'Oscar, tout va bien. Donc c'est Barry Jenkins. Et pour 120 battements par minute, c'est Robin Campillo, qui avait déjà fait d'autres films... un peu reconnu, il me semble Eastern Boys. Voilà, mais non, c'est pas son premier. Mais non, c'est au moins son troisième ou quatrième. Son 120e? Non, quand même pas. Non, je... Dommage, ça aurait été une belle coïncidence. C'est vrai, ouais, il aurait pas eu le même âge, hein, parce que là, actuellement, je crois qu'il a une quarantaine, donc ça aurait été. Ah, remarque, hein, on peut. Hein, là, c'est... Autre film français, moi qui l'a vraiment marquant, c'est Grave. Alors que j'avais découvert au Festival de Cannes l'année d'avant, donc en 2016, et ils nous l'ont sorti presque un an plus tard, donc tout va bien. Oui. C'est ça. Ravi de l'apprendre. Voilà. Et alors là, on a un pur film de genre. Hein. C'est un film d'horreur, mais en même temps un peu gore aussi, sur une histoire qui lorne avec le cannibalisme. Voilà. Donc une vétérinaire qui, enfin une apprentie vétérinaire qui intègre une prestigieuse université justement pour faire ses études de vétérinaire. Et lorsqu'on lui... c'est une sorte de... Comment dire? Comment on appelle ça? De bizutage. Hein, on va lui la forcer à manger de la viande. Et ça va avoir une réaction... elle qui est végétarienne aussi. Ça va avoir une réaction physique. Chimique presque. Hein, où elle va ressentir l'envie de... Bah, de manger de la chair. Hein, littéralement. Quelle qu'elle soit. Et 5 fruits et légumes par jour. Oui, ce serait mieux pour le régime ou la santé tout court. Ouais. D'ailleurs, peut-on réussir à relier cannibalisme et végétarianisme? Bah, ça a du sens. Hein. C'est un peu, oui, c'est un peu l'opposé quand même. On va pas se mentir. Mais ouais, bah, c'était... Sauf pour une plante, dire d'une plante qu'elle est cannibale, c'est-à-dire qu'elle mange ses semblables. Oui, mais est-ce qu'elle mange de la viande pour autant? C'est vrai, parce que dans canus, c'est la viande. Oui. Mais oui, c'est vrai. Bon, c'est une étymologie qui nous joue des tours des fois, hein, mais... c'est... Bon, disons que ce très bon film français, là encore, et premier film, là aussi, c'est ça qui est... On a affaire à des premiers films, beaucoup, là, c'est quand même toujours assez étonnant. Et je rapprocherai de Grave, Thelma aussi, un peu, qui est vraiment récent. Et Louise. c'est Thelma et Louise, c'est ça? Non. Non, Thelma... Oh, mais non, le film... Thelma tout court. Bon, bref, mais parlons de Thelma. Bah, Thelma et Louise, il me semble que c'est un film... Oui, bah, bien sûr. De Ridley Scott. Ridley Scott, oui. Oui, oui. Mais je confondais, ouais. Parce qu'Alfred Hitchcock, il a fait un autre film qui parle aussi de deux noms d'héroïnes. Ouais. Bref, alors là, on l'a vu tous les deux. Film assez atmosphérique, on comprend pas forcément très bien ce qui est en jeu au début. Faites attention à ce que vous souhaitez. Oui, il y a un peu de ça. On se rend compte, bon, quand même à mi-chemin, même un peu avant, hein, la Thelma du nom, hein, donc l'héroïne, est capable et douée de facultés, alors soit un peu psyché, comment on appelle ça, quand on peut faire bouger les... Télékinésique, oui, voilà, on va y arriver. Tu remarqueras que dans télékinésique, il n'y avait pas psyché. Il n'y avait pas du tout psyché, hein. Tout va bien. Voilà, elle est douée de ça, et il y a une histoire d'amour aussi avec... D'ailleurs, c'est bien, parce que dans télékinésie, il y a kiné, de cinéma. Oui. Ah non, ce sont des mots cousins, télékinésie et cinématographe. Ah ouais, non, mais là, et ce film ne manque pas de cinéma, justement. Moi, j'ai trouvé, c'est vraiment une mise en scène assez froide, certes, une atmosphère assez pesante, et en même temps, moi, je me rappelle d'une scène à l'opéra qui m'a vraiment marqué, où là, d'un coup, le montage s'affole, et en même temps, c'est d'une rigueur plastique assez... Par contre, au niveau du scénario, j'ai... un moment l'impression que ça se contredisait presque, parce qu'on dit que ce sont ses voeux les plus profonds qui donc se réalisent malgré elle, mais ses voeux les plus profonds sont contradictoires entre le début et la fin,
Alors que pourtant, à la fin, on nous apprend que dès le début, elle espérait déjà quelque chose Oui, tout à fait. qu'elle se refusait. Ouais. Mais voilà, j'ai l'impression que dans la réalisation de ses vœux, on est censé savoir que c'est une réalisation qui lui est involontaire, qui est inconsciente, qui est au fond d'elle. Ouais. Mais par définition, le fond de soi, c'est pas ce qui change en nous. Ce qui change en nous, c'est surtout la surface, l'acceptation de ce fond-là. Donc voilà, Oui, c'est oui, pour ce oui. film-là, j'ai l'impression qu'il s'en mêlait les pinceaux entre désir profond, profond, Ouais. profond Bah, c'est quand et même. désir moins profond, C'est quoi. Donc je veux vrai. dire, C'est-à-dire qu'à force d'ambiguïté, parce que c'est quand même un personnage très ambigu, c'est-à-dire qu'elle est, à un moment donné, elle va être capable de faire des choses assez proches, notamment, parce qu'elle est, à un moment donné, presque habitée par une force. Voilà, c'est. Mais, et la fin, moi, je la trouve aussi très immorale très aussi. immorale, mais du coup aussi Alors, intéressante, quoi, quelque part. oui, d'une certaine façon. C'est. Ça en dit long sur Oui, toi. tout à fait. Ah, mais je ne me cache pas de. C'est ça. Mais surtout, également, il y a donc immorale pour deux personnages, et en particulier, il y a un personnage dénigré, d'une certaine façon. C'est le personnage du père. Ouais. Alors que pourtant, je veux dire, quand tu y réfléchis, quand tu regardes ce qu'il fait, il fait presque, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un saint, mais il fait énormément de choses bien, et pourtant, à la fin, bam, voilà comment il finit. Oui, Parce que c'est un dans la peu. situation dans laquelle ce père se trouve, Ouais. face à laquelle il est obligé Ah oui, bah de composer, quoi. Enfin, il voilà, de composer, est. merci, ben. Je veux dire, ses réactions sont tout à fait, non seulement elles sont normales, mais souvent il fait les choix Fait des les choix plus pas. bénéfiques, les plus Oui, bienveillants. c'est C'est quelqu'un de vrai, qui, c'est quelqu'un qui me paraît fondamentalement bienveillant, et j'ai l'impression que le film n'en a pas conscience. Ça m'a vraiment fait cette notion-là, comme. Alors je ne sais pas si c'est moi qui étais mal luné ce jour-là, Bah, disons que mais le point de c'est. vue est tellement du côté de Thelma que Oui, mais c'est-à-dire j'ai l'impression que le que film. Alors, ça va être très abstrait ce que je vais dire là, le donc ça se trouve un peu Camille Lautrecht. Ouais. Mais j'ai l'impression que le film n'a pas eu conscience qu'il était trop dans la subjectivité du personnage, parce que l'effet que j'ai ressenti, c'est vraiment de toute manière que ce personnage était peu recommandable de manière presque objective. Oui, bon, voilà, c'est un film qu'il faut voir, voilà, auquel on peut rattacher avec grave aussi sur cette thématique d'une voilà, d'une jeune femme qui se ré révèle un peu à elle-même, ça c'est assez beau. D'ailleurs, ce ne Et sera pas le seul personnage féminin qu'on va à voir. propos des personnages féminins un peu démoniaques malgré Et eux, voilà, j'allais en venir. Et oui. j'en viendrai à un film qu'on a déjà évoqué mais qui mérite aussi d'être dans les mentions honorables, Ouais. En avis à vif numéro 13. Absolument. Oui, 13, le Ça passe, hein. porte-malheur. Ah oui. Gendo Identity. Ouais, tout à The fait. Gendo C'est Identity. ça. Donc là, bah, que dire qui n'ait pas été dit Oui. par nous surtout, C'est ça, je pense, surtout, surtout. c'est clair. Bah, déjà, ce fameux cadavre qui symbolise à lui seul, dans son immobilité la plus totale, la Ouais. plus paisible presque, Aussi, ouais. qui symbolise tout le danger de ce film, C'est ça. la proximité aussi, c'est vraiment un film à huis clos qui m'a beaucoup impressionné dans sa mise en scène, parce que effectivement, la menace est très proche, il y a une proximité. On aurait presque l'impression que les médecins légistes sont au chevet de cette patiente, si on C'est peut dire ça, ça, de ce ouais. corps, presque un des membres de leur famille. D'ailleurs, Ah oui. il y a même fait comparaison avec la La mère à un mère, à un moment moment. Donc donné, ouais. il y aurait presque une idée que qu'ils sont près d'une amie, quoi. Il y a presque Complètement, ce côté ouais. qui pourrait la raisonner, il y a cette Oui. capacité-là, mais entre eux, il y a la mort. Mais oui, quand Il y a la mort, même. il y a la glace, il y a le froid, c'est vraiment un film justement sur l'immobilité C'est qui ça. est très très Et le film forte. s'en sort très bien parce que c'est quand même un huis clos dans une morgue et finalement on ne voit pas le temps passer. En tout cas, moi, mon petit regret serait plus sur la deuxième partie où je trouve que le film accumule certains effets, mais bon, qui sont pas très Alors, dommageables, oui, non, parce mais. que par rapport à ces effets,
de James Care, voilà, hein, James Care. D'apparitions, voilà. de fantômes. Bah, en fait, ce ne sont pas vraiment des apparitions des fantômes. On nous a la mise en scène nous a déjà montré qu'on était dans... On était presque dans un dans la tête de ce cadavre près d'une qu'elle déformait la réalité. Oui, oui. Et justement ces apparitions sont à nouveau des réalités déformées, c'est-à-dire le cadavre à un moment qui se balade et qui fait sonner la clochette accrochée à sa cheville. Pour moi, tel que j'ai compris l'histoire, il est toujours resté dans son casier long. Et c'est elle, la morte, ouais. qui recrée cette... Non mais ça c'est plutôt cette, bien c'est, vu. C'est une hallucination quoi, en bien plus sûr. Avec la fumée, ouais, et on ne voit jamais entièrement, hein. Ça qui est très beau, donc c'est, ouais, ça joue peut-être là-dessus, mais je trouve d'une façon renouvelée, d'une façon où on se dit que c'est pas vraiment eux le danger. Ouais, c'est plus l'effet de jumpscare en lui-même, c'est-à-dire le bout, hein, c'est-à-dire qu'on apparaît à l'écran, c'est-à-dire que ça devient un peu systématique au bout d'un moment, et moi je préfère vraiment, quand l'horreur se distille, mais sur le temps, s'étire en fait. Et là, c'est vrai qu'on a un effet un peu gratuit. Sachant que ce film est quand même un étirement de la peur qui est aussi très bien joué. La première partie est admirable. Voilà, parce qu'en première partie, comme je te dis, il y a vraiment cette évolution du scientifique vers le fantastique, où les personnages eux-mêmes essaient de trouver des explications rationnelles aux événements qui les entourent. Et voilà, il y a vraiment et en fait, le spectateur, il est conscient qu'il est venu voir un film plutôt d'ambiance. Et comme il voit que pendant un long moment, ça met beaucoup de temps à démarrer cette fameuse histoire de cadavre avec toutes les expérimentations. C'est ça. Et donc le spectateur s'attend à tout moment, il sait qu'il va être surpris, qu'il va y avoir des scènes fortes, mais il ne les voit pas arriver. Je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est que c'est quelque part, même alors que les scènes ne sont pas encore là, le spectateur a déjà peur d'une certaine manière, parce qu'il sait que c'est ce qu'il devrait ressentir. Il y a un peu cet effet-là, je trouve, dans ce film. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment... On se dit, mais attends, mais ça va venir. Et cette montée en... Ouais. Comment faire de la tension sans tension, presque. Presque, oui. Non, très bon film. Et alors, un peu, peut-être dans le même genre, tu vas nous en parler aussi, mais A Cure for Life. Ça, c'était aussi quelque chose, visuellement surtout. Visuellement, oui. C'est aussi un autre avis à vif, le numéro 7, celui-ci. Le, 7, oui, le premier avis à vif de la saison 2. Ouais. Parce que, attention, nous, on fonctionne en saison. C'est ça. Le printemps, en fait. Cure for Life, déjà, visuellement extraordinaire. Très fort. Ouais. C'est, même la fin, hein, visuellement, reste extraordinaire. C'est juste l'ambiance à la fin qui est moins... L'ambiance, puis le scénario. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, on nous fait miroiter quelque chose, une sorte d'énigme qui serait... incroyable, et finalement on tombe dans un truc mais éculé, moi je trouve, enfin complètement, et en même temps je trouve que ça rabaisse un peu l'ambition du film, j'ai envie de dire, mais de toute manière ce qui précédait nous faisait tellement fantasmer des histoires folles que le film tient pas la longueur, moi je trouve, mais rien que pour le visuel, c'est vrai que ce sort de thalassothérapie là, de spa dans les montagnes avec des jeux de reflets, mais incroyable. Moi, déjà rien que ce train qui s'engouffre dans le tunnel et où tu as un dédoublement de la perspective. Il y a un moment, le héros qui se perd dans les couloirs, dans les saunas, avec le jeu sur la brume, les portes qui sont plus au bon endroit. Ouais, c'est excellent. Ça, c'est le film fourmi d'idées. Et vraiment bonne ambiance, oui. La musique aussi est intéressante. Je me rappelle cette ritournelle un peu qui vient hante un peu le film. Et moi, j'aime beaucoup aussi les visuels, les éléments récurrents dans le visuel, notamment tout le champ lexical, enfin le champ visuel plutôt, autour des anguilles qui sont un peu là partout, comme si elles composaient presque le film, comme si la pellicule était une très longue anguille. Absolument, ça pourrait être ça. Qui quelque part tout le film est une grande anguille déguisée. C'est bien vu. Peut-être dans ce côté aussi un peu, alors conspiration, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on a Get Out aussi, ce côté finalement, est-ce qu'on peut se fier à ce qui nous entoure? Get Out, excellent. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand j'ai vu la bande-annonce, moi je partais sur un tout autre... autre scénario. Déjà, on ne peut pas s'empêcher, je trouve, de penser que ça va parler de racisme.
Ben oui, alors que finalement, c'est même plus ça, ça va même à l'inverse. C'est même à l'encontre parce que, de ça. C'est même à l'encontre de ça, parce que si les Noirs en question désirés, ils le sont bel et bien. C'est la nouvelle mode, c'est ce que disent des riches blancs, bien sûr, qui à un moment donné viennent. C'est une sorte de fête, de banquet dans un jardin bourge, comme ça on ne peut plus là. Et d'un coup, ça devient. Le noir est à la mode. Alors là, ça devient. C'est comme l'ivoire. Et quand on voit sur quoi ça débouche, la révélation un peu de ce qui, parce que lui, bon, on va simplifier un peu, mais c'est voilà, et lui il sort avec une blanche, le héros, il est noir donc, il vient visiter la famille de sa petite amie et il se retrouve un peu dans un piège, on va dire, qui lui est tendu. Et en même temps, c'est là que c'est habile parce que et d'ailleurs, enfin. On ne sait jamais si ça flirte, là aussi avec le paranormal ou pas. Il y a toujours une ambiguïté. Moi, je me rappelle d'une scène d'hypnose qui est absolument géniale où il s'enfonce dans le fauteuil. Mais d'ailleurs, apparemment, ça fait réellement ça. J'ai entendu des témoignages d'hypnotisés qui disent que c'est tout à c'est fait vraiment cette sensation. Ouais. Et c'est là que ça flirte des fois avec le surnaturel. Enfin, c'est très intéressant. La seule chose pour laquelle j'en veux à ce film, c'est qu'il a. Il a présenté les soucoupes et les tasses sous un mauvais jour. C'est sûr. Ouais. Ouais. On ne verra plus jamais, on n'entendra plus jamais le tintement de la cuillère le long de la table de la même façon. C'est sûr que. Mais non, d'ailleurs, on va s'abstenir parce que sinon on va être hypnotisé nous-mêmes, on ne va pas pouvoir finir l'émission. De toute manière, je n'ai pas de tasse à proximité. Bon, ça va, on est sauvé. Et ce que tu crois. Mais par contre, si je devais reprocher quelque chose à ce film, le plus sérieux, on va dire, c'est les interventions du copain du héros. Parce que il avait du potentiel, parce que j'aurais bien vu effectivement un personnage de secours, un personnage de secours, un personnage de soutien, qui a une certaine prestance, qui arrive à déjouer les méchants, mais de son côté. Alors que là, non, c'est pas du tout ça. Bon, c'est vraiment le colocataire de base, pas très fut. Enfin, c'est la caricature, mais c'est un peu ça quand même. Et alors, peut-être encore dans une veine un peu tension, horreur, Life, qui est Origine inconnue, je crois, le sous-titre. Après A Cure for Life. Life, tout court. Après A Cure for Wellness. Wellness. Non, alors là, non. Alors, je te laisse faire ta petite référence caustique. Absolument, parce que, bon, on attendait beaucoup d'Alien Covenant cette année. Beaucoup pas, parce que, bon, Prometheus, avant ça, c'était déjà un peu moyen, même s'il y avait de bonnes choses. Bah, on peut dire que, voilà, le film Alien qu'on mérite, c'est Life. c'est pas le Alien Covenant qu'on a eu, certainement pas. Alors là, c'est vraiment oublié vite, je pense. Non, mais revenons sur Life. Life, voilà, totalement inattendu. Enfin, petit film, pas tant que ça, parce qu'il y a un casting quand même assez... assez glamour, entre guillemets, des têtes d'affiche en tout cas. Et ça reprend vraiment le schéma classique, on va dire, de l'équipage qui essaie de voir s'il y a une vie ailleurs. Là, il récupère un échantillon de Mars. Et cet échantillon va leur échapper et va muter, surtout, en quelque chose d'effroyable. Et surtout, ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'il n'est pas manichéen. Je veux dire, l'échantillon en question... Et d'ailleurs, un personnage de noir, justement, le précise bien. Mmh. Eh bien, l'échantillon en question, il fait ça pour sa propre survie, comme le ferait n'importe quel autre être humain d'ici. Le gros problème que soulève ce scénario, c'est le manque de communication. Ouais. C'est lui aussi, à sa manière, un peu comme Premier Contact, c'est un peu un film qui parle de communication, sauf qu'ici, c'est absence de communication. Ah, ouais, c'est parce que le germe en question ne fait que... se défendre. C'est l'instinct de survie. Voilà. On est tous à ce niveau-là. C'est senti agressé par... Parce que, je crois que c'est une phrase il y a du style... de toute façon, pour qu'il puisse créer... Enfin, pas créer, mais pour qu'il puisse rester en vie, il doit tous nous détruire, tous nous tuer. C'est vraiment sa condition. Il sent qu'il est en danger que les personnages... Alors, il faut dire aussi qu'il a quand même été électrocuté. Alors je sais que ça partait d'un bon sentiment on croyait qu'il était mort et on voulait le réanimer. Voilà. Mais ça fallait de lui expliquer. Voilà. Il l'a mal pris. D'ailleurs, j'ai pas fini mes 3 siècles de sommeil.
D'ailleurs, créature géniale, moi je trouve, hein, ce Kelvin, une sorte de... Enfin, d'ailleurs, il change de forme, d'apparence. Kevin ou Kelvin? Calvin, moi j'ai... Calvin, ouais, il me semble, oui, hein. Encore... Calvin, ouais. Sorte de, au début, une sorte d'étoile, un peu toile de mer translucide, étrange, ouais, mollusque, algue, tout ça. Puis ça devient un truc, limite, oui, oui, ouais, ça a une tête un peu comme un... Est-ce que lui aussi veut promouvoir le protestantisme? Pourquoi ça? Bah, Calvin. Ah, Calvin, oulala, oui, j'en étais pas, ouais. Non, enfin, une vraie réussite, ce monstre-là, et jusqu'à la fin est d'un pessimisme. Alors, ça, c'est pour me plaire. Amusant, hein. Parce que c'était extrêmement attendu. C'était extrêmement attendu. C'était tellement attendu que je me disais, dans la salle, si ça ne se termine pas comme ça, ce sera dommage. Ce serait dommage. Ce serait mauvais. Et là, franchement... Ça ne pouvait... Parce que la mise en scène, d'ailleurs, j'ai l'impression pas que ça en joue, parce que la mise en scène... Elle te montre que ça va forcément arriver comme ça. Tu vois, sans te le montrer. C'est-à-dire que par le fait de le redouter, du coup, on voit effectivement ce qui pourrait se passer, mais c'est pas pour autant qu'on se dit que c'est prévisible. Justement, quand ça arrive, on se dit mais oui, c'est tellement la bonne idée. Et voilà, c'est. Ah bah on se le dit on se dit oui, déjà que c'est très. Bah ouais. En fait, elle montre suffisamment pour qu'on n'ait plus de doute, sans qu'on ait une certitude. C'est vrai. Bien dit. C'est clair. Merci. Bon, voilà, donc ça déjà, c'est... Peut-être parlons de films un peu plus... qu'on pourrait moins ranger aussi dans des catégories. Je ne sais pas, par exemple, Jackie, qui est un biopic alors que j'ai trouvé très intéressant, porté d'ailleurs par Nathalie Portman en état de grâce. Là, porté par Portman. Porté par Portman. Je ne l'ai pas prévu, mais voilà, c'est sorti. Bon, comme ça, profitons-en. Et bon, enfin moi, le biopic, ce n'est pas un exercice qui me plaît énormément au cinéma. Ça peut m'intriguer quand, en tout cas, il y a un point de vue particulier, voilà, où on sent qu'il y a une approche un peu différente, pas académique en tout cas. Et là, c'est ce que propose le film, à mon avis. C'est vraiment entre les images d'archives, entre de longs moments, finalement, presque... C'est un film très austère, mais je trouve qu'il en tire toute sa force, en fait. Elle porte vraiment le deuil sur elle, enfin, la mort de... Et c'est très bien, d'ailleurs, comment le film est découpé, je trouve, en... La fameuse mort de JFK, finalement, nous est montrée dans des flashs, mais jamais au bout totalement. Elle est toujours un peu avortée. Quand on la revoit, bah c'est soit on la voit elle en sang, soit on... Et ça, c'est une très belle idée de pas essayer de sensationnaliser un peu cette mort-là. C'est elle qui nous importe, comme le dit le titre. Et je trouve ça assez fort, voilà. Même si peut-être que le film, en l'état, ne m'a pas autant convaincu que certains, parce que c'est un exercice particulier en même temps. Mais... D'ailleurs, à propos de titre, c'est... Non seulement c'est elle qui importe, mais c'est elle qui importe seule, parce que le titre, c'est pas Jackie Kennedy, c'est Jackie toute seule. Donc c'est quelque part une volonté de la démarquer, de la séparer presque de son mari, pour la prendre non pas comme le personnage de la femme de Kennedy, mais le personnage de Jackie elle toute seule. Absolument. Parce que ça reste, bien sûr, ça devient presque un personnage, presque un personnage de fiction, presque une volonté de se séparer de l'histoire, parce que Kennedy, c'est très connoté. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, c'est presque se séparer, de rendre le lien avec le film, le biopic historique, un peu moins concret, un peu moins avéré, quoi. Totalement. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté presque fantomatique dans ce film, enfin, de la voir errer... avec encore son tailleur ensanglanté dans le couloir, essayer de se débarbouiller, je trouve qu'il y a un truc assez fort visuellement. Et la musique, tout en dissonance, je me rappelle, c'était très particulier. C'est de qui la musique ? Alors c'est, comment elle s'appelle ? C'est la même, c'est une compositrice qui avait déjà signé la bande-son de Under the Skin. Voilà. Ah. Je crois que c'est Mika Levy, son nom, de mémoire, hein, mais voilà. Mais ouais, très impressionnant là aussi. Hein. Bon, nous avions commencé par un premier film. Et bien, pour boucler la boucle, nous allons finir par un premier film. Seven Sisters. Alors, premier ou second, j'ai un doute. Ah, bah, tu viens de mettre toute la mise en scène. Oui, mais il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai un doute. Bon, allez, on va te laisser le bénéfice du doute. Bon, un et demi. Bon. Alors, Seven Sisters, dont le titre original est beaucoup plus inspiré, qu'est-il arrivé à lundi ? What happened to Monday, ça. Voilà, What happened to Monday. Qui est un titre, d'ailleurs, que je trouve beaucoup plus intelligent, parce qu'il
Il est très compréhensible, même pour un Français qui ne parle pas anglais, oui, bon, fondamentalement, il est très accessible. Ouais. Mais titille, quoi. Je veux dire, même dans la syntaxe, parce que lundi, nous, on l'utilise très rarement en tant sujet d'un verbe. C'est qu'est-il arrivé à lundi? Oui. Bon, là, il n'est pas vraiment sujet, mais bon. Oui. Mais la syntaxe est étrange, quoi. Oui, oui. Et le concept est tout autant, très original. Hein. C'est d'ailleurs ça qui lui vaut sa place dans la mention, dans les mentions honorables, dans les mentions belges. Ouais. C'est que effectivement, il y a là-dedans une idée que j'avais presque jamais vue avant, quoi. Il y a des films comme ça, un peu comme Dark City, par exemple, où j'ai l'impression de voir sortir un ovni qui avait oublié de frapper avant d'entrer, là, qui vient comme ça tout d'un coup, c'est vrai, ouais. Mine de rien. Alors donc cette jumelle, enfin, ce ne sont plus des jumelles à ce stade-là, des septuplés, qui vivent dans un Londres, c'est ça, c'est l'Angleterre. Il me semble, oui, alors futuriste. Hein, futuriste, voilà, dystopique, mais d'un futur qui se veut proche. Quand même, oui. Avec Glenn Close, et puis Noomi Rapace, donc qui joue les sept. Noomi Rapace, Beast, Terre, Quater, etc. Et Terminus. Bref. Mais le problème, c'est que dans cet univers futuriste, la Terre est surpeuplée. C'est ça. Et un peu comme en Chine à l'heure actuelle, il y a un quota maximum d'enfants à naître par famille. Ouais. Et le quota est battu. C'est pas toléré du tout. Voilà, pas du tout. Et donc, pour éviter que 6 d'entre ces 7 jumelles, 7 septuplées, soient endormies, avec des guillemets, bien sûr, eh bien, le grand-père décide, parce que la mère n'a pas survécu, hein, 7, c'est un peu beaucoup quand même pour un accouchement, eh bien, le grand-père décide de toutes les garder secrètes et de n'en laisser sortir qu'une selon le jour de la semaine. C'est vrai. Non, mais ça tombe bien qu'elle soit 7. Hein. Si elle était 8, bam, tout de suite, le concept, là. D'ailleurs, je me demande, ça aurait été intéressant que l'une d'entre elles rencontre Robinson. Vendredi, ah oulala, oui, merci. Bien sûr. Ou sinon, j'enverrais bien une autre épouser un certain monsieur Adams. Mercredi, tiens. T'en as encore, non? Je pense à une dernière qui deviendrait chevalière. On l'appellerait la chevalière du jeudi. Bon, d'accord. C'est bizarre. Ça se prononce pas jeudi, mais. Bon, mais disons aussi que le film n'est pas totalement abouti. Moi, peut-être j'aurais quelques réserves. Le tout début est excellent, mais bout d'un moment. Ça devient un film d'action un peu lambda. Voilà, c'est comme si le film n'avait pas eu conscience du potentiel qu'il avait, parce qu'il pose quand même une question à laquelle on ne peut même pas vraiment répondre. Je veux dire, le personnage de Glenn Close nous est présenté comme la méchante, etc. Elle est pointée du doigt. Elle a un discours qui est, à mon avis, très... pas pertinent. En tout cas, qui est pertinent, et elle n'est pas fondamentale. Elle n'est pas méchante du tout, même. Non. Je veux dire, parce que dans sa manière d'être, en plus, on voit que... Elle n'est pas contente d'en arriver à où elle doit arriver. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de scènes où on le montre. Ouais, mais voilà, c'est vraiment un personnage qui a essayé de trouver une solution qui est certes assez extrême. Qui est un peu extrême. Et ça, le film n'est trop manichéen là-dessus. Mmh. Il ne répond... Alors, on sent peut-être même que le film a eu peur de son propre potentiel et s'est dit bon, on va rester dans les sentiers battus un peu. On retiendra surtout le concept. Mais le concept est tellement inimaginable que ça suffit presque à ce qu'il soit au moins dans les mentions honorables. Absolument. Les mentions belges. Après le belge, attention, il y a, je retourne le sablier dont on n'a pas parlé depuis le début, attention, l'antard, le blanc qui est l'ensemble de toutes les couleurs du spectre. Absolument, c'est ça.